Antoine, on est où? On est à Hanoï. On est à Hanoï, capitale du Vietnam. Il est 6h30 du matin. Ouais. On vient d'arriver et là, on se fait un gros petit déjeuner à la vietnamienne. Énorme. Ici, c'est pas comme chez nous. Il y a pas de thé, il y a pas de café, il y a pas de céréales. Que dalle. Il y a un grand bol avec des nouilles, du poulet, du bouillon et il y a même du piment. Et tout le monde mange ça dans la rue, c'est génial. C'est clair. C'est bon, c'est bon, Antoine. Je suis pas bon, mais moi, je suis pressé. Je dois y aller. J'ai mon cours de gym. Ok. Allez, ciao. En fait, c'est pas un vrai cours de gym que j'ai. C'est juste que je retrouve plein de Vietnamiens qui, comme tous les jours, font des exercices au bord du lac Wan Kim à Hanoï. Étirement, souplesse, aérobic ou tai chi, à 6h du mat, il y a une ambiance géniale. Avant de retrouver Raphaël, petite balade dans la vieille ville de Hanoï qui fête cette année ses 1000 ans. Et 1000 ans, c'est pas rien. Du matin jusqu'au soir, à vélo, à moto ou à pied, il y a une activité pas possible. Il y a des vendeurs ambulants, des chapeaux pointus en veux-tu en voilà, et on peut même se faire une coupe au coin de la rue. Et si t'as faim, tu chopes un poulet sur une moto, on te le prépare en deux-deux, et tu le manges en famille ou entre amis dans la rue, c'est super pratique. Et ce qui est pratique aussi, c'est qu'à Hanoï, chaque rue est spécialisée dans un type de marchandise. Et dans celle-là, j'ai trouvé un magasin qui va plaire à Raphaël. Voilà, bang tien. Ouais. Come on. Alors, c'était bien la gym? Super. Juste après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais voir la vieille ville. C'est pas vrai. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un volant de Dakao, mon pote. C'est quoi le un Dakao? Un volant de Dakao. Le Dakao, c'est un sport vietnamien incroyable, hyper spectaculaire. Ouais. T'as raison de te chauffer. Ouais. Tu prends un terrain de badminton. Ouais. Tu prends le même filet. Ouais. Tu prends pas de raquette, tu prends ce volant, tu joues avec les pieds, c'est avec tes pas amis. Vrai. Si. Oh, je suis chaud patate. C'est chaud? Allez. Freestyle? Freestyle. Freestyle, c'est super, man. Le Dakao, c'est un sport super populaire au Vietnam. Et oui, dans la rue ou dans les parcs, on croise toujours des jeunes qui jouent soit en freestyle, soit avec un filet. Nous, vous avez compris, on est super, super mauvais. Oh, hé, reviens! Mais on vous a trouvé des Vietnamiens qui ont un petit niveau. Histoire que vous compreniez pourquoi le Dakao, c'est si spectaculaire. Pour marquer des points, tu peux tenter des gestes acrobatiques. Là, c'est l'attaque du serpent volant. Waouh, c'est super impressionnant. Il y en a d'autres des figures comme ça? Bien sûr. Il y a le smash classique, la fameuse attaque du dragon. Ah, c'est énorme. Et avec ça, les Vietnamiens sont champions du monde de la discipline. Après notre partie de Dakao, on a croisé les collégiens d'Hanoï qui se retrouvent dans les parcs pour une petite session de hip-hop de fin d'après-midi. Et ils nous ont donné une belle leçon de danse. Trop sympa ici, dis donc. C'est cool la jeunesse à Hanoï. Ouais, il y a la vieille ville à Hanoï, il y a les jeunes. Parce qu'il faut savoir que le Vietnam, mon pote, il y a quand même 65% des gens, ils ont moins de 30 ans. Yes. Heureusement, là, on continue notre périple direction la Chine. C'est pas possible, on va en Chine. Ouais, c'est charmé. On prend l'avion et après on continue. C'est trop cool. Ouais. La phụ nữ thật là khó quá đi. Và khi anh là em, anh mới nhận thêm một điều.